Avec un profond regret, Abby Wilson a commis une erreur qui a fait que son mari a emmené leur fille. Après de nombreuses années de recherche inlassable, un appel inattendu a tout changé. Abby, une jeune femme pleine de détermination et de rêves, a grandi dans la campagne d'Indianapolis, où la vie simple était tout ce qu'elle connaissait. Depuis son enfance, elle était fascinée par les histoires et les images des grandes villes qu'elle voyait à la télévision. Son plus grand désir était de vivre dans l'un de ces centres urbains vibrants, pleins de lumière et d'opportunités. Abby imaginait que, si elle pouvait vivre dans une grande ville, elle pourrait travailler dur et améliorer sa vie, surtout pour aider sa mère, qui s'efforçait tant de élever trois enfants seuls. La mère d'Abby était une véritable héroïne. Sans la présence du père, qui les avait quittés quand Abby était encore très jeune, elle s'est retrouvée avec la difficile mission d'élever des enfants sans aide. Abby, en tant qu'aînée, était toujours consciente des efforts et des sacrifices de sa mère. Chaque jour, elle voyait sa mère faire face à d'innombrables défis pour assurer l'essentiel à la famille. Abby se sentait responsable d'aider autant que possible, que ce soit en s'occupant de ses frères et sœurs plus jeunes, ou en essayant de contribuer d'une manière ou d'une autre au budget familial. Elle comprenait que la vie dans une grande ville pourrait offrir des opportunités supérieures à l'existence tranquille à la campagne. Abby nourrissait des rêves d'un avenir où elle pourrait assurer de meilleurs emplois et, grâce à beaucoup de dévouement, obtenir une vie plus confortable pour sa famille. Son désir principal était d'offrir un logement confortable et sûr à sa mère et à ses sœurs, un endroit où elles pourraient vivre sans les soucis et les difficultés qui avaient marqué son enfance et son adolescence à la campagne. À 18 ans, Abby était prête pour une grande étape dans sa vie. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, elle a décidé de s'aventurer dans une grande ville à la recherche de nouvelles opportunités et expériences. Au début, sa mère était hésitante face à ce changement. Un soir, dans la cuisine de leur modeste maison, mère et fille eurent une conversation. « Maman, je sais que c'est difficile, mais je dois le faire. « J'ai grandi », dit Abby, regardant sa mère dans les yeux avec une détermination mature. « Abby, ma chérie, tu as toujours été ma force. Je veux juste te protéger », répondit sa mère, les larmes aux yeux. « Je sais, maman. Et tu m'as appris à être forte. Je vais bien me débrouiller, je te le promets », répondit Abby avec un câlin chaleureux. Avec des larmes et des sourires, la mère d'Abby donna ses économies à sa fille. Un geste de confiance et d'amour. Abby, pleine d'espoir, partit avec son amie pour la grande ville. Cependant, le voyage ne fut pas facile. Le bus qui les emmenait est tombé en panne en chemin, les laissant dans un endroit inconnu et sans ressources. Elles ont dû utiliser leur astuce et leur courage pour résoudre la situation, demandant de l'aide et travaillant dans de petits emplois pour rassembler l'argent nécessaire pour continuer leur voyage. Arrivée dans la grande ville, Abby a dû s'adapter à un nouveau rythme de vie. Elle a commencé à travailler dans une librairie, où elle a commencé à éveiller sa passion pour les livres. C'est là qu'elle a rencontré Christian, un homme gentil et attentionné. Christian était différent de quiconque Abby avait jamais connu. Il était compréhensif, écoutant toujours et soutenant les rêves d'Abby. Bientôt, ils ont commencé à sortir ensemble. Et Abby sentait qu'elle avait trouvé quelqu'un qui comprenait et respectait réellement ses ambitions et ses valeurs. 8 mois plus tard, ils décidèrent d'emménager ensemble, ouvrant un nouveau chapitre dans la vie d'Abby. Désormais rempli d'amour et de nouvelles possibilités dans la grande ville. Quand la mère d'Abby a appris la décision de sa fille de vivre avec Christian, au début, elle n'était pas satisfaite. L'inquiétude maternelle l'a poussée à se demander si Abby était prête pour une étape aussi significative dans sa vie. Cependant, elle se souvenait des paroles confiantes et déterminées d'Abby, dites avec tant d'affection et de conviction avant de partir pour la grande ville. Ces souvenirs ont apporté à la mère d'Abby la compréhension que sa fille avait grandi et prenait des décisions matures. « Si c'est ce que tu souhaites pour ta vie, ma fille, » « Alors je te soutiens, » dit la mère, avec un mélange d'inquiétude et de fierté. Elle savait qu'Abby avait mûri et prenait des décisions réfléchies, bien que l'idée de voir sa fille embarquer dans une nouvelle phase de la vie lui apportât un certain serrement de cœur. Elle avait confiance en la force et la sagesse qu'elle avait inculquées à Abby. Christian était un enseignant d'histoire passionné qui enseignait dans une école locale. Étant l'un des plus jeunes enseignants de l'institution, il nourrissait une passion pour transmettre des connaissances sur les cultures et les traditions de la ville. Bien que son travail le gardât occupé, il trouvait toujours du temps pour Abby et pour les moments spéciaux qu'il partageait. Le temps passa et apporta une nouvelle choquante. Abby était enceinte. Lorsqu'elle révéla sa grossesse, Christian se sentit d'abord incertain et inquiet face à la grande responsabilité qui les attendait. Cependant, en voyant la joie dans les yeux d'Abby, il se remplit rapidement de bonheur
et accepta la nouvelle avec enthousiasme. L'idée de devenir parents ensemble renforça encore plus l'amour qu'ils partageaient. Ils décidèrent de se marier, souhaitant que leur enfant naisse dans une famille unie et pleine d'amour. Leur mariage fut une célébration émotive et intime, marquée par la présence de proches et d'amis chers. Les parents de Christian, avec leurs racines profondes dans la culture amérindienne, voyagèrent de loin pour bénir l'union, apportant avec eux des traditions et des coutumes qui enrichirent la cérémonie. Bien que la famille d'Abby n'ait pu être présente en raison de complications financières, leur amour et leur bénédiction furent ressentis à travers des messages affectueux et des appels vidéo, faisant qu'Abby se sentit entourée par l'affection de ses proches. Le mariage fut rempli de moments émotionnels et significatifs, célébrant l'amour, l'union et les diverses cultures qui les entouraient. Ils échangèrent des vœux sincères, promettant un soutien et un compagnonnage inconditionnel dans le voyage qu'ils s'apprêtaient à entreprendre ensemble. La cérémonie reflétait parfaitement l'essence de leur amour, simple, vrai et profondément enraciné dans les valeurs familiales et culturelles. Quand la deuxième échographie confirma qu'ils auraient une fille, la joie d'Abby et Christian fut immense. Ensemble, ils décidèrent de la nommer Julie, un nom qui résonnait avec amour et espoir dans leur cœur. Christian, dévoué et aimant, travaillait sans relâche pour assurer le meilleur à sa future fille. Il était déterminé à préparer une chambre spéciale pour Julie, s'efforçant de créer un coin confortable et sûr pour elle. Avec tendresse, il choisit le berceau parfait et décora la chambre avec des couleurs douces et des jouets éducatifs, créant un environnement paisible et joyeux pour l'arrivée du bébé. Son effort et son dévouement apportèrent la paix et la sécurité à Abby, qui se sentait de plus en plus émue à l'approche de la naissance de Julie. Au fil du temps, Abby avait travaillé dur dans la grande ville, économisant chaque centime pour aider sa famille. Avec beaucoup de dévouement, elle avait réussi à rassembler une somme significative et l'avait envoyée à sa mère et à ses frères. Grâce à cela, la mère d'Abby a pu voyager vers la grande ville pour être aux côtés de sa fille en ce moment si important. Les frères d'Abby, désormais plus âgés et établis, avaient réussi à se maintenir dans la campagne, où ils avaient leur vie et emploi. L'arrivée de la mère d'Abby fut un moment de grande émotion. Elle était prête à aider et soutenir Abby avec Julie, offrant à sa fille le confort d'avoir sa mère à proximité pendant ce nouveau chapitre de sa vie. Ensemble, mère et fille partagèrent la joie et les défis de la maternité, renforçant encore plus les liens familiaux. Tout semblait se dérouler parfaitement, jusqu'à ce qu'un événement inattendu surgisse dans leur vie. Il y a quelques mois, Abby s'était liée d'amitié avec une collègue de travail connue pour son goût pour les fêtes et l'amusement. Un dimanche soir, alors que la maison était silencieuse et que la petite Julie dormait déjà, Christian et Abby étaient assis dans le salon. Dans l'air flottait une tension palpable, une préoccupation que Christian portait depuis un certain temps. Il prit une profonde inspiration avant de commencer la conversation. « Abby, j'ai réfléchi. À propos de ton amitié avec cette fille qui adore faire la fête, » commença Christian, choisissant ses mots avec prudence. Abby, sentant la gravité dans la voix de Christian, répondit un peu sur la défensive. « Elle est juste une amie, Christian. Nous aimons nous amuser ensemble, c'est tout. Je comprends, mais je suis inquiet. Tu rentres de ces fêtes, l'air épuisé et stressé. » Christian exprima sa préoccupation, regardant Abby dans les yeux. « Tu penses que je ne peux pas prendre mes propres décisions ? Elle est amusante et nous nous entendons bien. » argumenta Abby, se sentant un peu frustrée. « Ce n'est pas ça, Abby. J'ai confiance en toi, mais cette amitié semble te mener sur un chemin qui n'est pas bon pour toi. Ou pour nous, » expliqua Christian, essayant de maintenir le calme et la compréhension. Abby, regardant Christian, commença à réaliser la profondeur de ses inquiétudes. Elle savait que Christian l'aimait et voulait le meilleur pour elle. Sa voix était pleine de soin et d'amour, pas de contrôle ou de jugement. « Je vais réfléchir à ce que tu as dit, Christian. Je t'aime et je ne veux pas que rien nous affecte, » dit finalement Abby, avec un mélange d'appréhension et d'affection. La conversation, bien que tendue, était le reflet de l'amour et du soin qu'ils avaient l'un pour l'autre. Cependant, Abby appréciait beaucoup la compagnie de son amie et continuait à fréquenter sa maison. Un jour, cette amie invita Abby à célébrer son anniversaire. Elle accepta l'invitation, excitée à l'idée de célébrer non seulement l'anniversaire de son amie, mais aussi la naissance de sa fille Julie, qui avait apporté tant de joie dans sa vie. La fête, cependant, s'est révélée bien différente de ce qu'Abby attendait. L'atmosphère était chargée d'excès, y compris l'utilisation de substances illicites. Pendant la fête, au milieu de la confusion et du bruit, l'ami d'Abby, remarquant l'arrivée de la police suite à une plainte des voisins, agit rapidement et de manière imprudente. Elle glissa discrètement un paquet de stupéfiants dans le sac d'Abby, sans qu'elle s'en aperçoive. Abby était inconsciente de la gravité de la situation qui se déroulait autour d'elle.
Lorsque la police arriva pour enquêter sur la fête bruyante, ils firent une fouille et trouvèrent le paquet illicite dans le sac d'Abby. Surprise et confuse, Abby ne put expliquer comment cela avait atterri dans son sac. En conséquence, elle fut arrêtée, un tournant choquant et injuste dans sa vie. Pour Christian, l'arrestation d'Abby était quelque chose de complètement inacceptable, surtout après tous les conseils et inquiétudes qu'il avait exprimés concernant l'amitié dangereuse d'Abby. Il ressentit un mélange de frustration et d'impuissance en voyant la femme qu'il aimait dans une telle situation. La mère d'Abby, quant à elle, était plongée dans la tristesse. Voir sa fille derrière les barreaux, séparée de sa famille, était une douleur indescriptible. 2 semaines après l'incident, lors d'une visite en prison, la mère d'Abby dut annoncer la nouvelle la plus difficile. Les yeux remplis de larmes, elle parla à sa fille. « Abby, mon amour, je dois te dire quelque chose. Christian a emmené Julie et n'est pas revenu. Je ne sais pas où ils sont, » dit la mère, la voix tremblante d'émotion. « Quoi ? Comment ça, maman ? Christian ne ferait jamais ça, » répondit Abby, incrédule et bouleversée. « Je le pensais aussi, ma fille. Mais les heures se sont transformées en jours et il n'est pas réapparu. Je suis tellement inquiète, » dit la mère, luttant pour contenir ses larmes. Abby ressentit un mélange de confusion, de peur et de désespoir. L'idée de perdre sa fille et la confiance en Christian était trop dure à supporter. Nuit après nuit, elle se couchait dans sa cellule, regardant le plafond, priant pour un miracle, pour une nouvelle de sa fille. L'angoisse et le désespoir la consumaient, alors qu'elle tentait de comprendre ce qui avait si mal tourné dans sa vie. Avec le temps, les jours d'Abby en prison se sont lentement transformés en mois, et ceux-ci, à leur tour, ont cédé la place à de longues années. Enfin, le jour de sa libération arriva, un moment qu'elle attendait tant. Pleine d'espoir et de détermination, Abby commença immédiatement à chercher Christian, mue par le désir de retrouver sa fille. Cependant, cette recherche s'est révélée être un parcours ardu et infructueux. Christian s'était divorcé d'elle pendant qu'elle était en prison. Toutes les tentatives d'Abby pour localiser Christian et, par conséquent, sa chère fille Julie furent vaines. Il semblait que Christian avait disparu, emportant avec lui toute piste de leur localisation. Abby, désormais libre mais confrontée à la réalité que sa fille était toujours portée disparue et son ex-mari injoignable, se sentait perdue dans un océan d'incertitude. Déterminée à retrouver sa fille, Abby décida de lancer une campagne de recherche. Elle choisit Facebook comme sa principale plateforme, créant une page détaillée et émouvante où elle partageait son histoire et appelait à des informations sur la localisation de sa fille. Abby mettait régulièrement à jour la page avec des photos et des souvenirs, espérant que quelqu'un puisse reconnaître sa fille et fournir des indices sur où elle pourrait être. À sa grande surprise, cette campagne numérique attira l'attention de Christian. Il l'appela d'une voix froide et distante, lui informant que Julie allait bien, mais il fit aussi une déclaration choquante. Il dit qu'Abby ne verrait plus jamais Julie, justifiant qu'elle n'était pas un bon exemple pour la fille, qui avait alors environ 10 ans. Christian menaça également Abby, disant que toute tentative de sa part d'impliquer la police ou de chercher une aide juridique pour localiser Julie entraînerait de graves conséquences pour elle et sa famille. Cet appel fut un coup dévastateur pour Abby, aggravant la douleur et la souffrance qu'elle ressentait déjà. Cependant, malgré l'angoisse causée par ces mots, Abby s'accrocha au petit réconfort de savoir que sa fille allait bien, un fil d'espoir au milieu de la tempête d'émotions qu'elle affrontait. Après sa douloureuse expérience, Abby décida de reprendre sa vie et retourna travailler dans un restaurant local. C'est là qu'elle rencontra Aidan, le gérant de l'établissement. Dès le premier moment où Aidan vit Abby, il ressentit une connexion spéciale. Il y avait quelque chose dans sa force et sa résilience qui le captivait profondément. Abby, avec sa détermination et sa gentillesse, illuminait l'environnement, attirant Aidan par sa personnalité unique et son histoire de vie. Avec le temps, cette admiration initiale se transforma en un amour profond. Aidan admirait la façon dont Abby affrontait les adversités et se consacrait à reconstruire sa vie. Leur amitié grandit progressivement, fleurissant en une relation amoureuse, basée sur le respect mutuel et la compréhension. Ensemble, Abby et Aidan formèrent une famille, célébrant la naissance de 2 enfants. Ces moments apportèrent une nouvelle joie et un nouveau but à la vie d'Abby, la remplissant d'amour et d'espoir. Cependant, l'ombre de l'absence de Julie planait encore sur elle. Abby ne pouvait s'empêcher de chercher sa fille disparue, une partie de son cœur espérant toujours des retrouvailles. Aidan, comprenant l'importance de cette quête pour Abby, la soutint inconditionnellement, faisant tout ce qu'il pouvait. Au fil des années, Abby, désormais impliquée dans sa nouvelle vie et sa famille, avait presque perdu espoir de retrouver sa fille. Un jour ordinaire,
alors qu'elle était à la maison en train d'organiser des papiers importants, son téléphone sonna avec un numéro inconnu. De l'autre côté du fil, une voix féminine inconnue lui parla. La femme demanda à Abby si elle cherchait une fille nommée Julie. Au début, Abby se montra sceptique. Après tant d'années de recherches infructueuses, il était difficile de croire que cet appel puisse être le lien perdu qu'elle recherchait tant. Cependant, mue par l'espoir incessant de retrouver sa fille, Abby décida de faire confiance à cette voix inconnue. Elle confirma qu'elle cherchait bien une fille nommée Julie, qui devrait avoir environ 16 ans à l'époque. La femme informa qu'elle se trouvait sur la côte ouest des États-Unis et, selon cette inconnue, elle s'était enfuie de chez son père. Le cœur débordant d'émotion, Abby appela immédiatement sa mère pour partager la nouvelle surprenante. « Tu ne vas pas le croire, maman. La femme au téléphone m'a dit que Julie est sur la côte ouest avec la famille de Christian », dit Abby, à peine capable de contenir sa joie. Sa mère, en entendant la nouvelle, était incroyablement heureuse, mais aussi un peu prudente. « Abby, c'est merveilleux. Mais comment cette femme t'a-t-elle trouvée? Es-tu sûre que c'est vrai ?» Abby expliqua. « Elle m'a trouvée grâce à la campagne que j'ai faite sur Facebook il y a des années. Elle a dit qu'elle avait rencontré Julie et avait entendu parler de notre histoire. Maman, je sens que c'est elle, je le sens dans mon cœur. » Avec l'espoir renouvelé et la joie débordante, Abby agit rapidement. Elle acheta un billet d'avion cette même nuit et partit le lendemain, pleine d'attente et d'espoir pour les retrouvailles avec sa fille perdue depuis longtemps. La possibilité de finalement embrasser à nouveau Julie emplit son cœur d'une joie indescriptible et d'un optimisme prudent. Après un volume épuisant de 8 heures, Abby atterrit sur un territoire inconnu, sans bagages, portant seulement l'espoir de retrouver sa fille. Son cœur battait fort à l'anticipation du moment à venir. Une heure plus tard, elle se trouvait à l'aéroport, les yeux anxieux scrutant chaque visage, cherchant Julie. Soudain, elle était là. Julie, maintenant une adolescente, belle et épanouie. Au début, lorsque leurs regards se croisèrent, il y eut un moment d'hésitation. Julie regarda Abby sans la reconnaître immédiatement. Après tout, de nombreuses années s'étaient écoulées depuis leur dernière rencontre. Abby, le cœur serré, fit un pas en avant. « Julie, c'est moi, ta mère !» dit-elle, la voix empreinte d'émotion. Julie, encore incertaine, regarda Abby plus attentivement. C'est alors que, en plongeant son regard dans les yeux de sa mère, quelque chose s'éveilla dans sa mémoire. Un flot de reconnaissance inonda son visage et elle fit un pas hésitant vers Abby. « Maman !» murmura Julie, presque inaudible. Puis, comme si un barrage d'émotions avait cédé, Julie se précipita dans les bras d'Abby. Mère et fille s'étreignirent fort, un tourbillon de sentiments les enveloppant. Des larmes de bonheur et de soulagement coulaient sur leurs visages, alors qu'elles se fondaient dans une étreinte longue et émue. C'étaient des retrouvailles dont elles avaient rêvé pendant des années, enfin devenues réalité. La tension de la rencontre fit place à une joie indescriptible, marquant le début d'un nouveau chapitre dans leur vie. Après l'arrestation d'Abby, la vie de Julie et de son père, Christian, changea radicalement. Christian, autrefois stable et aimant, devint perturbé et amer par la situation, perdant la joie de vivre qu'il possédait autrefois. Au fur et à mesure que Julie grandissait, la relation entre elle et son père se détériorait de plus en plus. Ils étaient constamment en désaccord, les discussions et les malentendus devenant une occurrence régulière dans leur vie. La tension entre eux était palpable, et le foyer qui aurait dû être un refuge était devenu un champ de bataille émotionnelle. Fatiguée des conflits constants et se sentant emprisonnée dans une vie malheureuse, Julie prit la difficile décision de fuir la maison. Elle partit pour un endroit éloigné, un petit village sur la côte du Pacifique, connu pour sa communauté accueillante et ses paysages paisibles. C'était un endroit où elle espérait trouver un certain confort et la paix, loin des tourments de son foyer. C'est dans ce village que Julie rencontra une femme aimable et compréhensive, une bénévole locale qui travaillait avec des jeunes en situation de vulnérabilité. Cette femme, percevant l'angoisse et la solitude de Julie, l'accueillit avec affection et compassion. Elle devint une figure de soutien et d'orientation pour Julie, l'aidant à surmonter les traumatismes du passé et à construire un nouveau départ. En apprenant l'histoire de Julie et sa recherche pour sa mère, la bénévole décida d'aider. Elle se renseigna sur Abby et finit par trouver la campagne sur Facebook qu'Abby avait créée des années auparavant. C'est cette femme attentionnée et dévouée qui passa l'appel à Abby, lui fournissant l'indice qui finalement réunirait mère et fille après tant d'années de séparation et de souffrance. Après les retrouvailles émouvantes à l'aéroport, Abby et Julie finirent par rentrer chez elles, commençant un nouveau chapitre de leur vie ensemble. La joie d'être réunies était immense,
un sentiment de plénitude qui avait manqué pendant des années. Abby débordait de bonheur d'avoir sa fille de retour et Julie était soulagée d'être enfin dans un foyer aimant. Aidan, le mari d'Abby, accueillit Julie à bras ouverts. Son acceptation et son affection pour Julie étaient sincères, montrant la bonté de son cœur. Il comprenait l'importance de ces retrouvailles pour Abby et fit tout son possible pour assurer que Julie se sente partie de la famille. Les enfants d'Abby et Aidan accueillirent également Julie chaleureusement, enchantés d'avoir une grande sœur. La maison était pleine de rires, de conversations et de moments d'affection. Un véritable foyer rempli d'amour et d'unité. Quant à Christian, son sort restait un mystère. La dernière fois que Julie l'avait vu, il était dans un centre de réhabilitation, luttant contre une addiction à l'alcool. Après cela, il disparut et ne fut jamais revu. L'histoire de Christian était un souvenir triste, mais Abby et Julie choisirent de se concentrer sur le présent et l'avenir qu'elles pourraient construire ensemble. Et si vous avez aimé cette histoire, la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran va sûrement vous émouvoir aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre « j'aime » et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre vie et à la prochaine pour une autre histoire émouvante.